Bon, aujourd'hui, pour l'instant, je vais faire passer les câbles de radiateur. J'ai réfléchi, je vais juste en mettre un à ce niveau-là. Parce qu'il y aura le bureau qui sera ici. Fort probablement, il y aura le canapé là. Donc, je ne vais pas prévoir de mettre de radiateur ici. En vrai, j'ai réfléchi encore, mais je pense que ça servira à rien de le prévoir, vu qu'il y aura le radiateur qui sera à peine à 2 mètres. Ici, je pense que j'en mettrai pas un non plus parce qu'il y aura l'emplacement de la table, donc c'est pareil, un radiateur au niveau de la table, ça sert pas à grand chose. Par contre, je vais en faire à passer un au niveau de la fenêtre de la chambre qui sera juste là. Donc c'est celui-ci qui sera directement le plus complexe à faire passer parce qu'il faut que je repasse au-dessus de la cloison des WC. Mais pour l'instant, c'est juste faire descendre la gaine, un peu comme ça en attendant de mettre la plaque de plâtre. Ce sera à 6 livres, donc ce sera avant de mettre les fenêtres. Ensuite, je pense que je m'attaquerai à refaire la nourrice, mais ce sera à voir après. Allez, c'est parti du coup pour les câbles radiateurs. Bon, j'ai fait passer les câbles pour les radiateurs. Maintenant, je vais m'attaquer à refaire la nourrice. Donc, il y a pas mal de temps maintenant. J'avais fait les branchements donc, au niveau de la nourrice. Le souci, c'est que avec la position, là, celui-ci, je l'ai pas dévissé, mais on voit que avec le temps, en fait, le PER s'est plié. Donc, en fait, ces deux-là, je les avais déjà défaits parce qu'ils s'étaient pliés. Celui-ci, il n'y a pas de souci. Celui-ci, il commence déjà aussi à plier. Et après, là, c'est dans la gaine, donc je ne peux pas être sûr. Donc, le truc le plus simple, c'est que tout simplement, je vais recouper à chaque fois à peu près ici. À peu près là. J'ai acheté des coudes, donc à sertir. Je ne sais même pas où je les ai mis, mais il faut que je les retrouve. Je vais les mettre en place. Il faudra que je me mette quasiment au ras là pour que ce soit pile dans l'axe. Ça, du coup, je vais le garder pour pouvoir faire la fixation ici. Donc, je vais tout redémonter. Je vais mettre en place pour finaliser l'arrivée d'eau froide et le retour du chauffe-eau, donc l'arrivée d'eau chaude. Donc, il va falloir que je fasse tous les raccords, donc avec la vanne, etc. Faut que je fasse les joints. Et vérifier qu'il n'y ait aucun pli sur les PER. Donc, c'est parti.
Bon, je me suis occupé de refaire tous les raccords donc de la nourrice. C'était assez galère, je vais pas vous mentir. Il y avait donc le premier que j'ai coupé, je l'ai coupé presque un peu court, ce qui fait que j'ai galéré à réussir à l'enfiler sans que ça s'enfonce trop dans le mur. Du coup, les suivants, je les ai fait un peu plus longs volontairement, donc il y a volontairement un peu de jeu sur tous les autres. Mais c'est pas grave. Bon, le dernier, c'est celui du chauffe-eau, donc il y a largement la distance, hein. Je pouvais encore en tirer. Bon, afin d'éviter que ça refasse des plis, c'est pas tout pile aligné, il y en a plus ou moins haut, plus ou moins avancé. On voit que celui-là, il est bien plus avancé que celui-ci, parce que bah, il était fragilisé au-dessus. Donc, afin d'éviter le plus possible de recréer de nouveaux plis, j'ai fait ça. Donc, j'ai tout d'abord commencé par installer les deux vannes, donc avec enfin, c'est pas de la filasse, mais c'est avec du téflon. Voilà. Ensuite, donc je l'ai raccordé, j'ai bien serré comme il faut. J'ai positionné ensuite tous les raccords. C'était assez galère de visser celui-ci, donc j'ai dû redémonter au-dessus pour réussir à bien le fixer. J'ai mis des joints en fibre, ce ne sont pas des joints en caoutchouc. J'ai préféré la fibre parce que bah, indirectement ça dure plus dans le temps. Mais en général, la fibre, par contre, faut beaucoup plus les serrer alors que les joints à caoutchouc, faut y aller plus en douceur. Donc là, j'avais envie de ne pas y revenir. Donc j'ai bien serré, j'ai mis des joints fibre. Normalement, je devrais plus y revenir. Sauf, du coup, j'ai pas encore mis les deux bouchons de fin, donc, parce que je les ai pas tout simplement, et j'ai pas fait l'alimentation de l'eau chaude parce que bah, j'ai pas retrouvé le raccord que j'avais. Je suis sûr de l'avoir quelque part, mais bon, j'ai cherché un peu, je l'ai pas trouvé, et il réapparaîtra, mais c'est pas le plus compliqué. Là, sachant qu'en plus, je peux le renfoncer dans la cloison, vu que c'est le retour du chauffe-eau, j'ai de la longueur en fait qui revient, donc j'ai pas de problème de longueur. J'aurai juste à faire ce raccord, il faudra que je mette le joint ici, donc les bouchons, il faudra mettre du téflon aussi, et voilà. Donc, demain, je pense pas retourner là-dessus, je pense que je repartirai un petit peu dans la chambre, et voilà.